peut-être connu le générique de la fameuse émission Culture Pub, parce qu'effectivement la pub fait partie de la culture et surtout cette culture populaire dont essaie de partir la philopop. On a tous des publicités dont on se souvient, pour le slogan, pour la musique, qui ont marqué notre enfance. Et effectivement, la publicité semble faire partie de la culture autant que le cinéma. Il y a des répliques assez cultes. Alors j'ai pris cet exemple que vous connaissez peut-être, une réplique culte, parce que, voilà, bon, alors, on ne voit pas trop l'intérêt, mais en tout cas on s'en souvient. Alors c'est une pub pour Orangina Rouge. Alors pourquoi est-il si méchant? Parce que c'est Orangina à l'orange sanguine, donc film d'horreur, c'est vrai, voilà. Et donc cette fameuse réplique, pourquoi est-il si méchant? Parce que, dont on se souvient. Alors si en plus on ajoute l'idée que c'est sans doute Alain Chabat qui a fait cette publicité, effectivement les relations entre la publicité et la culture en général, et pourquoi pas le monde des arts, paraît assez évident. D'ailleurs, dans la publicité, on parle assez volontiers de créatifs. Voilà, ceux qui font des publicités sont des créatifs, donc manifestement on a dépassé le simple stade de vendre des savonnettes. Voilà. Alors avant, la publicité ressemblait plutôt à ça. Voilà. Bon, manifestement, la dame vit dans les années 50. Orangina à la pulpe d'orange. Alors, la publicité se contentait de décrire l'objet qu'elle voulait vendre, donc à la pulpe d'orange. C'est pour ça qu'on a appelé ça Orangina. Et là, effectivement, il n'y a pas besoin d'être très créatif, il n'y a pas besoin de beaucoup d'esprit de création, puisqu'il suffit de décrire l'objet pour le vendre. Donc, on peut dire, c'est une bouteille ronde avec de l'orange dedans. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'être très, très imaginatif. Ça, c'était la publicité avant qui vantait les mérites de l'objet qu'elle essayait de vendre et se réduisait un petit peu à décrire les choses. Alors maintenant, si on continue encore sur la saga Orangina, on a plutôt affaire à ça. Bon, alors, j'ai pris, vous connaissez peut-être cette campagne. Personnellement, je ne l'aime pas du tout, mais bon, c'est un goût esthétique. Vous connaissez peut-être ces animaux assez anthropomorphiques. Alors là, on a une chèvre, vous savez peut-être qu'il y a un ours, il y a une girafe. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils font avec leur bouteille d'Orangina? Je ne sais pas si vous avez vu les pubs, mais on a un ours qui prend sa douche avec une bouteille d'Orangina et on a une girafe qui étend son linge avec de l'Orangina. Donc l'idée, c'est quand même, manifestement, qu'on n'a même plus besoin de vendre le produit. C'est-à-dire, tout le monde sait très bien que l'Orangina, ça se boit et on peut très bien imaginez qu'un ours se lave avec. De toute façon, on n'a plus à vendre le produit. Manifestement, cette publicité ne sert plus à vendre de l'Orangina. Elle essaye ou elle prétend dépasser complètement le simple argument publicitaire. Alors, ça le dépasse vers où? Bah, je ne sais pas, là, par exemple, sans doute, certains concepts artistiques, une réflexion sur qu'est-ce que l'art, est-ce que ça doit provoquer, est-ce que l'art doit être beau ou pas, parce qu'il y a des gens qui la trouvent très bonne cette campagne, justement parce qu'elle est assez provocante. Donc manifestement, la publicité ne se contente plus de vendre des objets. Alors, si on avait un mauvais esprit, et je vais en avoir un petit peu quand même, on dirait que c'est parce que tous les annonceurs fabriquent les mêmes objets de toute façon. Donc, et en général, ils peuvent éventuellement les fabriquer par les mêmes sous-traitants dans des pays éventuellement en Asie. Donc forcément, ils ne peuvent pas vanter les mérites de leur objet. Donc ce qu'on essaye de vendre, ce n'est plus un objet, c'est une marque. Voilà. C'est une marque, c'est une image de marque, c'est la valeur d'une marque. Et effectivement, si on était plus positivement, on pourrait dire que le publicitaire se sert de l'espace d'expression que lui donnent ses annonceurs pour dépasser l'argument de vente et pour faire, eh ben, pourquoi pas, de l'art et du concept et de la valeur. Voilà, on parle aussi beaucoup, vous savez peut-être, on en entend parler, que les publicitaires font de la valeur et du concept. Alors effectivement, c'est pour ça qu'une soirée sur la philopop peut prendre la publicité en particulier comme objet, parce que manifestement, dans le fond, la publicité, en faisant des concepts et des valeurs, fait manifestement de la philosophie. Voilà.
Alors on retrouve d'ailleurs dans la publicité les grands thèmes de la philosophie. Alors par exemple ici c'est l'art, on demande qu'est-ce que l'art. Vous savez pas qu'on retrouve les grands thèmes comme le bonheur. Hein. Le bonheur c'est simple comme un coup de fil, le bonheur vous l'imaginez comment? Enfin, on va y revenir un petit peu. La liberté aussi, on parle beaucoup de liberté dans la publicité, la nature aussi, la politique, la religion. Vous vous souvenez peut-être des campagnes Benetton où on voit un prêtre embrasser une bonne sœur. Enfin bref, voilà. On a l'impression que dans le fond, la publicité est devenue un moyen de faire de la philosophie et de réfléchir un peu sur le monde. Alors en plus, l'avantage de la publicité par rapport à la philosophie, c'est qu'elle ne se contente pas de poser des questions, mais qu'elle donne des réponses. Donc ça évite de se taper des pavés de 500 pages en allemand, de rien comprendre, et on a tout de suite tout compris à la vie. Alors, non seulement dans le fond, elle parle des sujets philosophiques, mais dans la forme aussi, elle emprunte une forme d'expression qui ressemble pas mal à la philosophie. Voilà. Alors là, je prends une campagne encore assez connue peut-être, enfin, si vous ne la connaissez pas, vous la découvrez. Je suis Giulietta et je suis fait de la même matière que les rêves. Alors Giulietta, parce que Alfa Romeo, hein, alors Alfa Romeo, Roméo et Juliette, bon voilà. Et donc comme Roméo et Juliette, du coup, on cite Shakespeare. Voilà. Je suis fait de la même matière que les rêves, c'est une phrase, une citation sortie de La Tempête de Shakespeare. Si vous ne le saviez pas, comme ça, vous le saurez. Vous aurez appris quelque chose ce soir. Donc manifestement, on a affaire à un créatif. Qui a dû sauter de joie après sa séance de brainstorming. Ah les gars, j'ai trouvé une super phrase. Ça fait philo. Et c'est vrai que ça fait philo. Les slogans publicitaires ressemblent de plus en plus à des aphorismes philosophiques. On peut penser à Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ou tout ce que vous voulez. Et là, effectivement, je suis fait de la même matière que les rêves. Alors, ça fait rêver. Alors, moi, quand j'ai découvert cette campagne, j'ai un peu gratté. J'étais vraiment dans La Tempête de Shakespeare. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ce vers. En entier, c'est nous sommes faits de la même matière que les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. Voilà. Et donc, si on voulait trouver une phrase qui se rapproche le plus de ce slogan, c'est celle de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis, mes frères, c'est-à-dire la vie ne vaut pas grand-chose, le néant a précédé ma naissance, le néant va succéder à ma mort, et ma vie n'a aucune valeur, ne vaut rien. C'est l'angoisse de la mort, en fait, hein, cette phrase. Hein, c'est l'idée que la vie n'a aucune valeur. Alors, à partir de là, je me dis, derrière cette formule très poético-philosophique, est-ce qu'il n'y aurait pas grand-chose derrière? C'est un peu la question que je me pose. Surtout si on pense à un autre slogan que j'ai découvert, des pneus Hankook, où le slogan est « Ne faites qu'un avec vos pneus ». Alors bon, je suis pas une brute en philosophie de la pub, hein. Mais bon, je sais pas. Ah, moi c'est original, hein. Vous ne trouverez pas ça chez Aristote, hein. Ne faites qu'un avec vos pneus. Alors, à partir de là, donc, la question que je me pose, que je m'étais un petit peu posée dans un obscur opuscule philosophique, c'était combien y a-t-il donc de grammes de philo dans un monde de pub? Et je vous propose donc d'essayer de philosopher un petit peu à partir de la pub, des slogans publicitaires. Alors, on ne va pas pouvoir tout passer en revue, mais je vous propose de passer trois thèmes qui me paraissent assez majeurs dans la publicité, dans la philosophie de la publicité. Le bonheur d'abord, la nature qui envahit la publicité et la liberté. Voilà. Et d'abord, le bonheur, parce que effectivement, c'est quand même un des grands thèmes de la publicité. Et de la philosophie, puisque effectivement tous les hommes désirent être heureux, c'est ce que reconnaissent tous les philosophes. Et c'est vrai que les philosophes de l'Antiquité avaient plutôt tendance à expliquer aux hommes comment atteindre le bonheur. On peut penser aux stoïciens, aux épicuriens, mais comme je ne vais pas le développer, c'est pas la peine, vous oubliez. Mais donc la publicité, forcément, puisqu'on vend quand même, n'oublions pas un petit peu qu'on essaye de vendre des objets. Donc l'idée, c'est quand même d'expliquer qu'on sera heureux en les achetant. Donc la question à poser, c'est puisque la publicité parle autant de bonheur, quelle est donc l'image, quelle est donc la définition qu'on trouve du bonheur dans la publicité? Alors, exemple, Club Med. Et vous, le bonheur, vous l'imaginez comment? Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question philosophique et on a bien fait de la poser.
Ce qu'on remarque, c'est quoi? Bon, c'est que manifestement, l'image répond quand même à la question. Voilà. Donc, on nous pose une question, mais on nous suggère légèrement la réponse. Et évidemment, la réponse tombe un peu sur les clichés du bonheur de tout le monde, c'est-à-dire le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est les cocotiers, c'est la mer, le bateau, les voyages au loin, et puis pourquoi pas, vous savez, les clichés qu'on rencontre aussi, c'est la Ferrari, la villa avec piscine, etc., etc. Donc, la philosophie du bonheur de la publicité, c'est un petit peu d'abord l'idée que le bonheur est facile à définir. Voilà, il est facile à définir, tout le monde sait ce que c'est. Finalement, la publicité vous, ne se propose pas de vous expliquer ce qu'est le bonheur, elle vous propose simplement de vous donner les moyens de vous payer, hein, ce qui vous rendra heureux. Parce que la deuxième idée, c'est donc que le bonheur est facile, et très facile à atteindre. D'ailleurs, il y a un slogan qui dit, je crois que c'est pour une carte de crédit en plus, enfin, un petit peu contradictoire, qui dit il y a des choses qui ne s'achètent pas. Mais manifestement, on n'y croit pas beaucoup, hein, quand même. C'est un peu l'idée quand même que le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'acheter. Et puis, de manière générale, non seulement acheter en général, mais acheter des objets matériels en particulier, la fameuse villa, la Ferrari, la voiture. Enfin là, on pourrait vraiment en sortir d'état. Vous connaissez peut-être le slogan, là. Ouvrez un Coca-Cola, ouvrez du bonheur. Voilà. Hein, bon, alors, moi, dans mon souvenir, c'est plutôt quand j'ai une gastro qu'on me propose de boire un Coca-Cola. Mais... Donc, on n'y croit pas trop. Hein. Mais bon. Alors, effectivement, je pense que ce cliché, nous sommes tous un peu... Voilà, nous pensons tous que l'argent nous rendra sûrement heureux. D'ailleurs, on n'oblige pas les gens à jouer au loto. On les oblige à payer leurs impôts. On les oblige pas à jouer au loto. Et pourtant, ils y jouent quand même. Hein. Ils se ruent dessus comme la misère sur le monde. Alors, pour développer cette image du bonheur, on peut prendre une autre campagne assez connue. Alors, si vous ne la connaissez pas, il va falloir que je vous raconte parce que c'est une pub télé au départ. Voilà. Alors, voilà une publicité qui appartient à la culture populaire, puisqu'elle a donné lieu aussi, comme la pub Orangina de tout à l'heure, à une réplique assez connue qu'on sort volontiers entre amis. C'est le jeu Ma pauvre Lucette. Je ne sais pas si vous connaissez cette réplique. Si vous ne connaissez pas, ça tombe complètement à plat dans le truc, mais c'est pas grave. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce spot télé, on voit la main d'une personne manifestement âgée, quand même, qui tourne une map monde et qui est censé tomber par hasard sur un des pays. Il attend que le hasard décide. Bon, en fait, manifestement, papy a un peu truqué le truc, il fait exprès de tomber sur l'Australie. Et donc, on entend Lucette dans la cuisine, puisqu'on entend des bruits de vaisselle. Et donc, la map monde tombe sur l'Australie, et là, papy dit « L'Australie !» Et là, on entend Lucette dire « Encore !» Et là, son mari répond « C'est le jeu, ma pauvre Lucette !» Voilà. Alors effectivement, la pub est amusante. On a retenu l'expression. Alors c'est effectivement une certaine image du bonheur. Hein. Alors d'abord, c'est un jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est un jeu parce que eux, ils ont le temps de jouer. Voilà. Ils ont le temps de s'amuser parce que les autres, ceux qui sont pas heureux, ils n'ont pas le temps de jouer parce qu'il faut qu'ils travaillent pour gagner de l'argent pour se payer du bonheur. Voilà. Mais comme ils n'ont pas le temps d'en profiter, ils sont malheureux. Alors. Manifestement, comme ils sont retraités quand même, on comprend hein, avec les voix, le prénom Lucette déjà, qui n'a pas dû être donné depuis 1930, mais on est peut-être dans la... Enfin bref. je vais faire une boulette, donc je vais éviter. Alors on comprend qu'ils étaient à la retraite, donc de toute façon ils ne travaillaient pas. Le problème c'est que quand on ne travaille pas, qu'on a du temps libre, mais qu'on n'a pas d'argent, ça ne sert à rien, on s'ennuie, hein, comme disait Pascal, on s'ennuie, donc on pense à la mort et qu'on va mourir, et donc c'est pas bien. Bon. Dans le fond, il y a quand même une idée, cette publicité est assez philosophique, hein, parce qu'elle montre le caractère assez problématique, donc philosophique, du bonheur. C'est assez étrange quand même, c'est assez étonnant que cette lassitude, que cette déception exprime le bonheur. Hein. C'est le jeu, encore, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors pourquoi est-ce que la lassitude ou la déception exprimerait le bonheur? Ben, c'est manifestement que cette femme n'a plus rien à désirer. Paradoxalement, ça veut dire qu'elle est entièrement satisfaite, puisque ce qui manque tant aux autres, ce qui les rend insatisfaits et malheureux, c'est-à-dire ce voyage très loin en Australie que je n'ai toujours pas fait, pour elle, c'est devenu la norme, c'est devenu tellement une évidence qu'elle en est même lassée. Voilà. Donc, ça nous dit paradoxalement qu'elle est heureuse. Elle est tellement heureuse qu'elle ne se rend même plus compte de son bonheur. Voilà.
Mais c'est paradoxal, c'est-à-dire que ça nous montre aussi, bizarrement, que finalement le bonheur n'est pas si facile à atteindre. Puisqu'on est en train de nous expliquer que Lucette a tout pour être heureuse, elle a gagné au loto, manifestement, ils ont gagné 10, 15, 20 millions, je ne sais pas, et manifestement, son deuxième voyage en Australie va forcément la décevoir un peu. Donc ça, on finit par comprendre quand même que le problème, ce n'est pas les objets qu'on devrait s'acheter, c'est que finalement, quoi qu'on puisse se payer, de toute façon, on ne sera jamais heureux. Voilà, puisque Lucette a tout ce qu'elle veut, a les moyens de se payer tout ce qu'elle veut, et néanmoins, elle est déçue, elle est malheureuse. Voilà. Donc, finalement, cette publicité, qui est assez philosophique, nous suggère que le bonheur, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, n'est pas si facile à atteindre et serait même plus ou moins inaccessible. Voilà. Alors ça, c'est une idée assez philosophique, parce que les philosophes sont assez pessimistes, on va en parler. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur? Pourquoi le bonheur serait difficile à atteindre? Alors, prenons une autre campagne qui nous donne une bonne image du bonheur. Attention les filles. Voilà. Alors, Zalando.fr. Voilà. Bon, déjà, c'est pour l'image de la femme, c'est pas mal. C'est-à-dire que une femme trouverait son bonheur dans une paire de chaussures. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Trois choses, manifestement. Dans cette pub Zalando, on nous montre d'abord que le bonheur serait un sentiment de joie intense, hein, qui transparaît à travers ces cris hystériques. On n'a pas le son là, mais vous avez peut-être vu ces campagnes. Voilà. Donc, le bonheur, ce serait un sentiment de joie intense tel qu'il n'en existe pas de plus fort. Voilà. Donc, un sentiment de bien-être très profond. Ensuite, ce serait un sentiment qui envahit tellement l'esprit qu'il ne laisse subsister à côté de lui aucune insatisfaction. Voilà. Manifestement, cette jeune fille, en trouvant ses chaussures, a, comme on dit parfois en sortant d'une boutique, trouvé son bonheur. J'ai trouvé mon bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était la seule chose qui me manquait. Voilà. C'est-à-dire que cette insatisfaction, cette recherche du bonheur qui me pousse depuis des années, c'était donc ça. Une paire de chaussures. Voilà. Troisième élément, le bonheur, c'est un sentiment de satisfaction durable. J'ai trouvé mon bonheur, ça veut dire que ces chaussures, aujourd'hui, me remplissent de joie, demain aussi, dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an. Là, on commence quand même à avoir des doutes. On n'est pas sûr qu'en se levant dans 1 an, elle crie de joie en voyant ses chaussures rouges au pied du lit. Enfin, voilà. Et là, on découvre que le bonheur est assez difficile à atteindre. Alors, c'est là que, entre autres, Schopenhauer, donc, dont la philosophie s'appelle le pessimisme, hein, donc bon, c'est un peu mal parti, mais Schopenhauer remarque que c'est seulement par contraste qu'on peut éprouver ce genre de joie ou de bonheur, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a d'abord éprouvé de la souffrance ou du malheur qu'on va pouvoir être heureux. Par exemple, on dit il n'y a que la santé qui compte, c'est quand on a la santé qu'on est heureux, sauf que vous, si vous êtes en bonne santé, je ne sais pas si ce matin vous vous êtes levé en sautant de joie en vous disant « Je suis en bonne santé, ça suffit à mon bonheur. » Voilà. Hein. En général, on se sent heureux d'être en bonne santé, soit quand on sort d'une maladie, par exemple cette fameuse gastro, il fallait boire du coca et on se dit « Ah, ça y est, j'ai plus trop envie de vomir, ça va mieux, je suis content d'être en bonne santé. » Ou pire, on prend conscience de son bonheur au moment où on est malade. Ah, c'était bien quand j'étais en bonne santé. Voilà. Mais sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc finalement, le bonheur, ce sera assez malheureux, c'est-à-dire que le bonheur, on en prend conscience, on en profite, soit après un malheur, soit pendant qu'on est malheureux. Donc finalement, ce bonheur paraît assez imaginaire. Voilà. Et on peut revenir sur cette fameuse publicité du Club Med. Et vous, le bonheur, vous l'imaginez comment? Alors d'abord, on aurait bien fait de se poser vraiment la question quand même. Et ensuite, effectivement, on l'imagine le bonheur plus qu'autre chose. Alors un autre philosophe allemand, plus optimiste, Kant, dit dans ces termes, le bonheur est un idéal de l'imagination. Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, on est incapable de savoir ce qu'est le bonheur. C'est-à-dire que tout le monde voudrait être heureux, tout le monde voudrait avoir cet état de satisfaction durable qui fait qu'on ne manque plus de rien. Mais si on vous demande vraiment qu'est-ce qui vous rendrait heureux, personne n'est trop capable de le savoir. Voilà. Alors on se dit, comme c'est quelque chose qui doit avoir beaucoup de valeur, ça a peut-être
beaucoup de prix, c'est peut-être très cher. Et on imagine que si on gagnait 15 millions au loto, on pourrait sans doute se payer le truc qui rendrait heureux, mais on ne sait toujours pas ce que c'est, mais on pourra sans doute se le payer. Voilà. Et Kant rajoute que ce bonheur est d'autant plus inaccessible que même quand bien même on se sent assez satisfait, plutôt heureux, on ne sait jamais si c'est ce fameux état maximum de bien-être. C'est pour ça que celui qui va être heureux en ménage, en voyant passer une jeune fille, éventuellement avec des chaussures rouges, va se dire bon, c'est pas mal là, mais ça serait peut-être mieux avec elle. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas mieux. On se dit toujours qu'il y aura peut-être mieux. Et finalement, c'est la recherche du bonheur qui nous rend malheureux. Voilà. Alors, au fond, on ne sait pas ce qui nous rendrait heureux. Heureusement, il y a la pub. Voilà. C'est-à-dire que la publicité vous dit « Tu ne sais pas ce qui te rendra heureux, moi je le sais. » Et voilà. Alors, un peu comme la pub Zalando, il y a une autre pub assez réputée, enfin assez connue, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est pour un iPhone avec un slogan qui m'a toujours un petit peu étonné, c'est « Si vous n'avez pas d'iPhone, vous n'avez pas d'iPhone. » Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas d'iPhone, vous n'avez pas d'iPhone. Positivement, ça veut dire voilà l'objet de tous vos désirs. Voilà ce qui va vous rendre heureux. Si vous êtes si malheureux, c'est parce que vous n'avez pas d'iPhone. En même temps, on comprend que la tentative de me rendre heureux est en fait ce qui me rend malheureux. Parce que, comme disait l'autre, ça veut dire si vous n'avez pas d'iPhone, vous avez raté votre vie. Enfin, c'est ça que ça veut dire, hein, soyons clairs. Voilà. Alors finalement, sous couvert de nous rendre heureux, on commence à deviner que la publicité est plutôt ce qui me rend malheureux. Alors là, ce n'est pas une pub que je vous propose, c'est une image que j'ai captée sur ces inénarrables Tumblr qui traînent sur Facebook. Voilà. Alors c'est de l'anglais, pardon, mais maintenant tous les slogans sont en anglais. Hein. Quoi, l'iPhone 6 ? Je vais être tellement uncool, ringarde. Avec mon ancienne iPhone 5. Alors vous me direz, oui mais l'iPhone 6 ça n'existe pas. Bon, oui mais ça va pas tarder. Voilà. Et si vous venez de vous payer le fameux iPhone 5S, il faut savoir que ça va bientôt plus valoir grand chose. Voilà. Alors c'est un peu ça. On disait si vous n'avez pas d'iPhone, vous n'avez pas d'iPhone. Très bien. C'est récent l'iPhone, hein, c'est 2007. Hein. Alors. Très bien, donc mon iPhone. Et puis, un an après, on me dit, oui, mais si vous n'avez pas l'iPhone 3, c'est toujours pas bien. Et après, il faut le 3 Plus. Et après, c'était le 4. Et puis après, le 4S, et puis le 5, et puis le 5C, le 5S. Et bientôt, on aura le 6. Bref, sous couvert de satisfaire tous mes désirs, vous comprenez quand même qu'on ne cesse de le creuser, ce désir, qu'on ne cesse de me rendre de plus en plus insatisfait. Alors c'est ce que Jean Baudrillard, je ne sais pas si vous connaissez, je ne voudrais pas insulter votre culture hein, du tout, mais on ne sait jamais, appelle dans un livre Le système des objets. C'est un livre de 1968, comme quoi c'est pas jeune, il avait déjà bien vu. On parle beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, d'obsolescence programmée, voilà, comme si c'était un concept tout nouveau. Alors Baudrillard parlait déjà de la fragilité organisée, ce qui est à peu près la même chose. Hein. L'obsolescence programmée, c'est le fait qu'un objet devient obsolète, c'est-à-dire ringard, uncool et inutilisable assez vite. Alors il y a deux raisons. D'abord l'obsolescence ou la fragilité, elle est programmée. Parce que vous savez ou vous ne savez pas que certains objets, et beaucoup d'objets, ont un vice de fabrication qui fait qu'éventuellement ils tombent en panne deux jours après la fin de la garantie. Enfin, je me comprends. Voilà. Donc, effectivement, les objets ont une durée de vie limitée, mais on comprend. Ou alors, si vous avez un iPhone, les applis, comme par hasard, cette application n'est pas compatible avec votre iPhone, il vous faut l'autre modèle d'après, donc achetez-le. Mais quand bien même mon iPhone me fonctionnerait très bien, effectivement, avec la mise sur le marché de nouveaux modèles, je me sens forcément ringard. C'est-à-dire que mon téléphone est démodé, et donc moi aussi. Voilà. Et donc, on ne fait que creuser cette quête indéfinie, interminable, des désirs. Et vous comprenez bien que, en disant qu'on va satisfaire tous mes désirs, on va surtout faire en sorte que j'ai toujours des désirs nouveaux à satisfaire. Alors,
C'est ce que dans la philosophie on appelle le tonneau des Danaïdes, où Platon disait essayer de remplir un tonneau percé avec une écumoire ou un écumoire, je ne sais plus si c'est féminin ou masculin, mais comme je suis un culte, c'est pas grave. On l'a jamais fini. Voilà. Donc on commence à deviner un petit peu qu'il y a une certaine contradiction entre ce bonheur qu'on nous vend et celui qu'on cherche à nous et l'insatisfaction qu'on cherche à nous donner. Moi, j'ai le sentiment que rien ne serait pire pour un annonceur qui demande à un publicitaire de faire un message que de tomber sur quelqu'un d'heureux. Vous imaginez bien. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous n'avez pas d'iPhone. Oui, non, mais ça, non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai ce que j'ai. T'inquiète. Non, mais hein, passe ton chemin. Vraiment, ça là d'ailleurs. Alors, cette contradiction entre le message et la réalité, quand, entre l'apparence et la réalité, est d'autant plus marquante quand il s'agit de ce deuxième grand thème de la publicité, la nature. C'est vrai que. Voilà. Alors, la nature, on en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler, et notamment avec le terme de bio, hein, qui est quand même très à la mode. Alors, pour le coup, voilà une marque qui a une belle valeur. Voilà. Le bio. On est de plus en plus à se jeter au supermarché comme la misère sur le monde, sur le bio. Pour d'autres marques, on est moins sûr. Si c'est du Coca, peut-être que le Pepsi c'est mieux. Si c'est un iPhone, peut-être que le Blackberry c'est mieux. Enfin, il n'y en a plus trop maintenant, mais voilà. En revanche, il y a écrit bio, c'est une marque qui a un succès fou. Et le bio, ça veut dire la nature. Alors, on rencontre cet impératif catégorique, je ne vais pas expliquer impératif catégorique, on n'a pas le temps, mais cet impératif moral hein, dans beaucoup de publicités, et par exemple dans, c'est le lieu de le faire quand même, le petit Marseillais, rester nature. Alors, d'abord, on parlait de clichés tout à l'heure, vous avez remarqué que pour un publicitaire, peut-être parisien, je ne sais pas d'où il vient, mais à Marseille, il n'y a pas trop de ville, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a que de la lavande. Et si vous regardez les publicités télé, en général, on a l'impression d'être en 1940. Apparemment, le dernier film qu'ils ont, enfin, la dernière chose qu'ils ont vue sur Marseille, c'est un reportage ou un film de Marcel Pagnol, Le bar de mon père, voilà. Donc dans le genre cliché, je trouve qu'on est pas trop mal. Mais bon, prenons quand même au sérieux cet impératif, rester nature. Alors pourquoi rester nature? Il y a une valorisation effectivement de la nature. Voilà, la nature, ce serait quelque chose de bien, ce serait la norme morale. Bon, alors, il y a une bonne raison quand même. Si le bio et la nature, en général, ont de la valeur, c'est notamment lié à tous les scandales, notamment le récent Horsegate, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, de Horsegate, le scandale du cheval, c'est-à-dire des lasagnes à la viande de cheval. Donc voilà, on nous ment, on nous spolie. Et puis, bah, tous les scandales sur les pesticides, l'élevage en batterie, etc. Donc le bio, ça a quand même plus de valeur. C'est meilleur pour la santé, voilà. C'est-à-dire c'est dangereux. Tout ce qui est industriel, chimique, on dit. Alors tout est chimique en fait, hein. La chimie, c'est la composition des éléments. Donc quand on dit c'est chimique, tout est chimique, mais bon, tout ce qui est industriel, tout ce qui est fabriqué par l'homme est dangereux. Voilà. Donc la nature, c'est la norme. C'est même la norme morale. Parce qu'il y a un autre débat en dehors des lasagnes au cheval qui a pas mal occupé cette année, vous le savez, c'était le mariage pour tous. Et ceux qui s'y opposaient avaient tendance à dire que c'est parce que c'est contre nature. Voilà. Donc c'est comme la nature n'a pas fait qu'un gars puisse pas avoir un enfant. Enfin, voilà. Donc la nature, elle n'a pas fait les choses comme ça. Donc, comme la nature n'a pas fait comme ça, nous, on ne doit pas faire comme ça. Voilà. Donc, ce qui est naturel, c'est bien. Voilà. Ensuite, ce qui est naturel, c'est vrai. Voilà. La nature est plus vraie et plus authentique, parce que dans ces fameux retours à la nature marseillaise, vous avez toujours la nature, c'est l'authentique, hein, l'authenticité des gens des villages qui jouent à la pétanque et qui boivent de la salvetta. Voilà, il y a toujours ce retour à une vie de la campagne. Voilà, c'est toujours authentique. Et effectivement, tout ce qui est fait par l'homme, le terme artificiel. Voilà, le terme artificiel a deux sens. Vous le savez ou vous le savez pas. Vous devez le savoir plutôt. Artificiel, ça veut dire d'abord ce qui a été fabriqué par l'homme. Donc un feu d'artifice. Artificiel, c'est ce qui est fabriqué par l'homme. Mais artificiel, vous savez aussi que c'est ce qui est faux. Voilà. Quand on parle de fleurs artificielles, c'est le cliché. Quand on parle aussi
quand on parle de fleurs artificielles, on va dire des fausses fleurs. Alors c'est pareil pour tout ce qui est chirurgie esthétique, c'est un faux nez, ce sont des faux seins. Pourquoi? Parce que ça a été fabriqué par l'homme. Tout ce qui est vrai, c'est ce qui est fabriqué par la nature. Et par conséquent, c'est aussi ce qui est plus beau. Voilà. Vous arrivez chez quelqu'un, ah, elles sont belles tes fleurs. Ouais, mais c'est des fausses. Hein? On est tout de suite un peu déçus. Voilà. C'est plus beau si c'est la nature qui l'a fait. La nature fait les choses plus belles que l'homme. Et quand l'homme essaye de copier, c'est toujours moins bien parce que c'est lui. Et ce que lui fait, c'est plus ou moins faux. Voilà. D'où cet impératif, rester nature. Voilà. La nature, c'est donc le bien, le beau et le vrai. Ancienne idée très philosophique qu'on trouve chez Platon. Hein. Platon était à fond là-dedans, donc là, c'est, voilà, Platon aurait pu faire de la publicité, il n'y a pas de problème, il était avant. Il y a un autre philosophe que vous connaissez aussi sans doute qui a cet impératif de rester nature, qui disait il faut vivre selon la nature. C'est Diogène, que vous connaissez sans doute, Diogène le cynique, qui a eu une vie, voilà, il n'a rien écrit, mais il avait une vie très provocatrice, un peu comme notre publicité de tout à l'heure. Sur Orangina, vous savez peut-être qu'il vivait tout nu dans un tonneau, sinon il se promenait avec un pardessus sale, un peu avec Colombo, moi j'ai l'habitude de comparer Colombo et Diogène, voilà, et qui a aucun respect pour rien ni personne, qui crachait sur les passants, les insultait, leur pissait dessus, se masturbait dans la rue au passage, voilà, et c'était un philosophe, hein, voilà. Alors la publicité, toujours le petit Marseillais reprend, on a l'impression, regardez, vous allez voir Diogène, à l'époque publicitaire. Voilà. Et si on se libérait du quotidien? Voilà. Alors je chante soir et matin, puisque je suis Marseillaise. Alors la jeune fille est toute nue, et si on se libérait du quotidien? Et on retrouve la philosophie de Diogène. Pourquoi Diogène avait cette attitude provocatrice et puis vulgaire? En gros, Diogène, c'était un clochard qui insultait tout le monde. Eh bien, c'était pour se moquer des conventions sociales, pour montrer que les bonnes manières n'ont jamais fait un honnête homme et que justement, toutes ces conventions de politesse, les valeurs de la société sont tout à fait artificielles à tous les sens du terme et d'abord au sens où ce sont des mauvaises valeurs. Donc, quand on dit se libérer du quotidien, sous-entendu, vous comprenez bien, se libérer du quotidien que la société nous impose, se libérer des codes, se libérer des normes sociales. Et effectivement, c'est exactement ce que faisait Diogène. Et vous savez que la publicité aussi revendique beaucoup la liberté par rapport aux normes et aux codes de la société. C'est toujours « sois toi-même ». Si un jour tu as cassé les codes, enfin voilà, ils sont toujours avec leur bouteille de Fanta à casser les codes dans les publicités. Ça marche assez bien. Et c'était bien la philosophie de Diogène. Alors, le cynique, vous savez sans doute que. Ou pas, j'en sais rien. Je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais, les cyniques, pourquoi les cyniques? Parce que ça vient du grec qui veut dire le chien. Voilà. Donc, ce qui est revendiqué Diogène, c'est d'avoir une vie de chien. Pourquoi? Parce que le chien, comme les autres animaux, se contente des besoins naturels, justement. Parce que les besoins naturels, d'abord, sont forcément bons puisqu'ils viennent de la nature, et puis ensuite, ils sont faciles à satisfaire. C'est ça qu'il veut dire quand il pisse dans la rue ou quand il se masturbe. Il se dit voilà, se masturber, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à satisfaire puisqu'on peut le satisfaire tout seul. Il n'y a même pas besoin de trouver un objet extérieur, c'est le genre de besoin qu'on peut satisfaire tout seul. Donc voilà le genre de vie qu'il revendique. Et c'est vrai que si on pense à Lucette ou à ce fameux iPhone, vous avez peut-être fait cette expérience où l'iPhone ou le téléphone portable tombe en panne. Bizarrement, on se sent coupé du monde. Hein? Alors vous voyez les gens sur Facebook, mon iPhone est en panne, envoyez-moi un message personnel s'il vous plaît. Où est le monde? Alors que le monde, il est autour. C'est quand même bizarre de se sentir coupé du monde parce que le téléphone ne marche plus. On comprend le côté complètement artificiel du besoin et le côté artificiel de la perte de ce téléphone. Alors Diogène dit, bah, écoutez, soyez restez nature, ne cherche pas à te satisfaire par des objets extérieurs. Alors, bon, tout ça c'est très bien, mais si on suivait les principes de Diogène, comme vous l'avez compris, le problème, c'est qu'on n'aurait rien à vendre, puisque Diogène, lui, justement, revendiquait une vie vraiment naturelle. Hein. Parce que vous voyez qu'en bas de l'image, il y a un savon, quand même, le petit Marseillais. Mais Diogène, il ne savait pas. Il n'avait pas besoin de savon, Diogène. Hein. Il était sale, et il n'avait pas besoin d'objets matériels. Il y a une anecdote qui raconte qu'il voit un petit enfant en train de boire dans ses mains, et il dit,
un enfant m'a surpassé en frugalité ou en indépendance, en liberté. Alors là, Diogène jette son assiette et se met à manger aussi avec ses mains. Voilà. Donc il aurait certainement besoin d'aucun objet. Donc finalement, cet impératif de vivre selon la nature, il n'est pas certain que ça satisfasse les annonceurs et que ce soit un message que les publicitaires puissent vraiment faire passer. Il y a de la contradiction en fait. C'est-à-dire que la nature apparaît comme une valeur absolue et en fait, si on gratte un peu, elle n'est pas si bonne que ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette campagne. Là aussi, il faut que je vous la raconte. Si vous ne la connaissez pas, c'est un spot télé. Voilà. Alors, qui est cette mère maquerelle ou cette marâtre? Si vous connaissez... Attention, ça va être classe, hein, puisqu'on est sur du Diogène. Voilà. Une jeune fille avec ses alandos va en boîte de nuit et danse. Et là, cette dame qui est sa marraine, je ne sais pas quoi, arrive avec un paquet cadeau tout rouge. Et elle lui dit « Bonjour ma fille ». Je t'apporte ton cadeau mensuel, tes règles, voilà. Et là, la fille dit, pas de problème, j'ai mon Tampax. Voilà, c'est une pub pour Tampax, en fait. Voilà, c'est une pub pour Tampax. Et le slogan tout à fait contradictoire avec celui tout à l'heure, c'est « Déjouer dame nature ». Moi, je veux bien que la nature ait une valeur, mais s'il faut la déjouer à d'autres moments... Donc d'abord, l'impératif moral, il est contraire. Déjouer dame nature. Donc manifestement, la nature n'est pas si bonne que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Qu'elle était bonne, qu'elle était belle, qu'elle était vraie. Voilà. Et puis que ça libérait du quotidien. Bon, alors, d'abord, est-ce qu'elle est bonne? Pas sûr. Est-ce qu'elle est belle, la nature? Bon... Quand on parle de ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez remarqué que les publicités sur les serviettes, Tampax, on n'a jamais la couleur naturelle de ce qui se passe là-dedans. Je ne développe pas, mais voilà, c'est pas... La nature, ce n'est pas toujours très beau. Voilà. Et ensuite, ça ne libère pas beaucoup, puisque manifestement, ça l'empêche de s'amuser, cette jeune fille. Voilà, c'est-à-dire que les besoins naturels ne sont pas forcément bons, ils sont aussi ce qui est... contraignant pour l'homme et pour la femme, et on cherche justement à s'en libérer par ces fameux objets qu'on fabrique et qui destinés à l'hygiène féminine et donc qu'on est très content d'avoir. Enfin voilà, il y a un genre de contradiction. Alors, c'est un philosophe plus allemand mais anglais, John Stuart Mill, qui a fait un petit texte assez bon à lire de la nature où il remet en question justement cette valeur qu'on donne à la nature. Vous connaissez ce fameux slogan « Un volcan s'éteint, un être s'éveille », mais quand un volcan s'éveille, il y a pas mal d'êtres qui s'éteignent quand même. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'il dit. Hein. Il dit « La nature a aussi inventé les catastrophes naturelles ». Et là, finalement, là c'est marrant, il n'y a plus personne hein, pour acheter nature. Donc, on croit quand même plutôt, il dit, si la nature était aussi bonne, toutes les inventions, tous les progrès techniques seraient toujours une régression par rapport à un âge d'or. Voilà. Nous ne croyons pas que la technique soit toujours mauvaise, que tout ce que l'homme fabrique est mauvais, sinon on serait encore dans les grottes en train de peindre, ou pas d'ailleurs, les grottes de Lascaux. On valorise par ailleurs la Deutsche Technologie, hein, la technologie allemande. Donc, il faudrait savoir, est-ce qu'il faut rester nature ou pas? Est-ce que la technologie, c'est mauvais ou pas? Manifestement, tout ce qu'on nous vend est quand même fabriqué par l'homme. Donc, allez nous présenter une image restée nature avec derrière, en fait, des objets manufacturés, ça paraît un tout petit peu contradictoire. Alors, dans le fond, mon idée, mais c'est pas... J'enfonce sans doute des portes ouvertes, hein, c'est que vous avez sans doute compris, évidemment, que tous les objets qu'on nous vend à grand renfort de nature sont des objets manufacturés industriels, même si on nous dit qu'ils sont authentiques et comme à la maison, ils sont fabriqués, et que tous les objets qu'on nous vend à grand renfort de casser les codes et sois toi-même, ce sont des objets de consommation de masse. Je veux dire, il n'y a rien de pire pour un annonceur que s'il y avait une seule personne qui achetait ce qu'il fabrique. Achète mon... Alors, il y a le fameux slogan du geek suprême, là, Steve Jobs, là. Think different, pense différemment. Voilà, donc pense différemment, sois toi-même, casse les codes. Hein. Bon, alors pense différemment, mais pas trop quand même, parce qu'il faut que tu achètes le même téléphone que les autres. Enfin voilà, j'ai jamais trop compris. Alors si on veut vraiment, moi, en grattant, pour préparer l'intervention de ce soir, je me suis dit, c'est quoi la philosophie de la publicité finalement? Et
Si on parle de l'art, ça m'a plutôt fait penser à ça. Ouais. Ceci n'est pas une pipe. Bon, vous connaissez le tableau de Mozart. Ceci n'est pas une pipe. Et il y a un peu cette... Moi, ça me fait penser à ça, quand même. Hein. Ceci n'est pas une pipe, c'est-à-dire, ceci n'est pas un produit industriel. Ceci est la nature. Voilà. Ceci n'est pas un produit de consommation de masse. Si tu l'achètes, tu seras toi-même, tu seras différent des autres, mais qui seront aussi tous différents de toi parce qu'ils seront le même. Allez comprendre. Ceci n'est pas un objet matériel. C'est ce qu'on a vu avec la pub Orangina de tout à l'heure. Non, je ne suis pas en train de vendre un objet, je suis en train de faire une philosophie de l'art avec les chèvres quand des têtes d'hommes, ou l'inverse, je ne sais plus. Et puis finalement, ceci n'est pas une publicité. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Ceci n'est pas une publicité. Et je trouve que ça. Il y a une sorte quand même de contradiction hein, entre l'apparence et la réalité. Oui, parce que moi je suis le méchant philosophe qui dit que la pub, c'est pas bien. Bon, donc, c'est, alors, cette contradiction entre l'apparence et la réalité vaut aussi bien pour le dernier thème que je voulais aborder, donc je vais finir là-dessus d'ailleurs, qu'on a rencontré depuis le début, libérez-vous du quotidien, donc c'est la fameuse liberté, c'est vrai que c'est un terme qu'on rencontre beaucoup, la publicité nous promet toujours la liberté, ce qu'on comprend, puisque la liberté apparaît comme quand même une bonne condition du bonheur. Alors Paul Valéry, un poète, disait quelque chose d'assez juste, il disait « la liberté, un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens ». Voilà. Donc la publicité fait de la valeur, alors plus de valeur que de sens, parce qu'effectivement si vous mettez « liberté » sur une publicité, ça a tout de suite de la valeur. Après, pour connaître le sens, il faudrait un peu gratter les choses. Voilà. Alors quelle est encore une fois la liberté pour la publicité? Manifestement c'est souvent faire ce qu'on veut, c'est souvent se faire plaisir. Il y a un slogan de Steiffing, je crois, qui est « le plaisir en toute liberté ». Donc voilà, si je me fais plaisir, c'est que je suis libre. Alors bon, pour finir et pour vous montrer une petite image de cette liberté, je vais vous montrer une affiche qui n'existe plus. C'est une pub argentine. Voilà. Le cow-boy Marlboro. Alors, le cow-boy Marlboro, où on voit manifestement, effectivement, c'est une image de la liberté. Hein, c'est évident, c'est une image de la liberté. Pourquoi? Parce que la nature, encore, les grands espaces, d'abord... Donc, quand on a de l'espace, c'est qu'on est libre. Et puis ensuite, le cow-boy solitaire qui donc a cassé les codes, s'est affranchi des conventions sociales et puis galope dans le soleil couchant après son cheval. Donc, il est libre. Et si vous voulez être libre, il faut acheter le truc qui est marqué au-dessus, c'est-à-dire des cigarettes Marlboro. Bon, je ne vais pas vous insulter en vous rappelant que la cigarette, c'est pas tout à fait un objet libérateur. Enfin... C'est un tout petit peu... Alors effectivement, ça fait plaisir, hein, on a envie de fumer. En un sens, quand on fume, on fait ce qu'on veut, sauf qu'on fait plutôt ce qu'on a envie. Et bon, évidemment, il y a une dépendance physique ou psychologique, je sais de quoi je parle. Et on est plutôt libre quand on a la volonté d'arrêter, ou quand on n'a aucune volonté, on sait qu'on n'est pas libre. Et alors effectivement, arrêter de fumer, ça fait souffrir. C'est pas agréable et pourtant on sait qu'on est plus libre. Alors ce qu'on découvre c'est qu'il est pas toujours, on peut se faire des illusions sur sa propre liberté. C'est pas parce que je ressens un plaisir que je suis libre. Et manifestement la publicité joue un peu là-dessus quand elle confond le plaisir et la liberté. Alors vous me direz, oui mais ces pubs sont interdites en France, justement on a compris, donc la publicité on n'est plus là, c'est une pub argentine, voilà. Alors vous savez sans doute que la publicité aujourd'hui à l'heure d'internet c'est plus tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire des spots télé et des affiches. La publicité passe par beaucoup d'autres canaux, à commencer par les spams très personnalisés qu'on reçoit sur la boîte mail, à commencer aussi par le sponsoring, parce que Marlboro ou Red Bull, on le voit encore dans les courses de Formule 1, donc manifestement, on peut encore voir le nom. Alors, pour vraiment finir, il y a quand même le soupçon que la publicité qui nous vend de la liberté fait un peu tout le contraire, ou en tout cas n'y croit pas, ou en tout cas ne nous rend pas libres quand même. D'abord, il y a ces fameux spams qu'on reçoit, et c'est, je ne sais pas si vous avez essayé de regarder des vidéos sur Dailymotion ou sur YouTube, mais à chaque fois maintenant, on est obligé de se taper 25 votre vidéo dans 30 secondes. Donc, je n'ai pas le choix, je suis obligé de regarder la publicité, et à la fin... J'ai une publicité sur la liberté. Donc c'est une publicité Zalando, par exemple, qui va me dire que j'ai le choix de faire ce que je veux, sauf de regarder la pub, parce que là, il faut que je la finisse avant de regarder la vidéo que je voulais regarder.
Alors vous me direz encore, mais on ne nous oblige pas, nous avons notre libre arbitre. Alors peut-être, on peut y croire, mais je pense que quand on fait de la publicité, on n'y croit pas au libre arbitre. D'abord, bon, puisqu'on parlait d'Internet, vous savez très bien que toutes les données personnelles qu'on laisse sur Internet font ces fameux messages très personnalisés. Hein. On va recevoir sur sa boîte mail ou sur sa page Facebook, il va y avoir justement des publicités liées à mon goût personnel. Ensuite, le fameux marketing, les études de marché, qui consistent à connaître les goûts des futurs consommateurs, suppose quand même que le comportement des hommes sont prévisibles. Je veux dire, quand on fait de la publicité, on se dit, mon message doit fonctionner. On ne dépenserait pas des millions si on croyait au libre arbitre. On se dit, si je lui donne ce message, il va l'acheter. Enfin, je veux dire, si on ne croyait pas dans ce rapport-là, on ne ferait pas de la pub. Et puis, les choses sont assez empirées avec ce qu'on appelle le neuromarketing, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est vrai que la publicité aussi dit souvent que la science nous aide. La science vous veut du bien, comme la nature. La science vous veut du bien, notamment pour faire des crèmes pour rajeunir. Mais la science peut aussi servir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le neuromarketing? C'est le marketing qui repose sur les neurosciences, c'est-à-dire sur l'étude du cerveau. Voilà. C'est-à-dire savoir comment fonctionne le cerveau humain pour savoir un peu mieux comment faire un message. Alors, il y a en 2004, Francis Lelay, vous vous souvenez qu'elle a sorti sa fameuse phrase dans une interview pour un magazine, nous vendons du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Alors c'est une formule assez éculée, assez connue, mais bon, c'est d'autant plus vrai si on pense à ce neuromarketing. Voilà. Alors en conclusion, qu'est-ce que je dirais? C'est mon point de vue et je le partage. Je dirais que effectivement la publicité. Je dirais que la publicité, c'est le Canada Dry de la philosophie. Voilà. C'est-à-dire ça ressemble à de la philosophie, c'est doré comme la philosophie. Mais ça n'est pas une philosophie, merci.